Comment? Bonjour. Hein. La reine mère, le Tolunja. Vous avez dit qu'ici aux États-Unis, les gens travaillent, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le Kungusa. Les gens walk au skate, les gens walk. C'est comment? Maman, je suis à la cuisine. On vous a dit qu'au skate, les gens travaillent. Je suis à la maison seule. Je vais sortir, il y a les gens qui vont venir me chercher là. Mais je vais d'abord faire le njap. Je vais faire la nourriture pour les gens avant de partir de la maison. Ici, aux États-Unis, les gens travaillent, ils n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Je vais aller vous faire un kongosa. Le kongosa, c'est que je vous fais un bon kongosa là. Ce soir, je voulais vous informer que ce soir à 20h, Rosine Mémie, CCC, elle sera en direct. Elle a les vérités à dire. Il est 9h du matin ici aux États-Unis. Ici à Houston, il est 9h. La connexion là ne donne même pas. Hein. Que quoi? Quelqu'un est en train de dire que quoi là-bas? Je suis en train de faire légumes, je suis sauté. Je vous ai dit qu'aux États-Unis, les gens travaillent. Ils n'ont pas le temps. Donc, je suis à la maison là. Je vais sortir tout à l'heure pour aller faire le shopping. Mais avant ça, je cuisine d'abord. Je vais d'abord. Il est 9h du matin ici là-haut. Il est 9h. Ici au state, il est 9h. Ah, les oignons là piquent mes yeux. C'est how? C'est comment? La guerrière, c'est comment la guerrière? Bonjour. Ça va bien? Le légume, je mets deux tomates. Ouais, c'est quel voisin qui fait le bruit comme ça? Je mets trois tomates. Je vais faire le légume du village sauté avec le plantain mûr, avec le mi-soleil. Le plantain. Comme la reine mère là. Bonjour Flore. Bonjour à toi. Ça va? Je fais le légume sauté du village, le njap, avec la viande. Après, je sors. Il y a les gars. Il y a les vrais gars. Anyway, I'm cooking. I'm the steak. I'm the cook. You know, I'm cooking. Bonjour du Québec. Bonjour, ma chérie. I'm the cook de foot. Maintenant, je suis américaine, moi. I'm not know to speak the French. I'm the speak na English. Hey, le parfum anti-sorcellerie de Facebook, oh, c'est où les... Attendez. Je vais mettre le parfum anti-vampirisme de Facebook. Anti-jalousie. I'm the cooking. Hey, Seigneur, c'est quel voisin qui fait le bruit comme ça, mon Dieu? I'm not know to speak the French anyway. I'm wherever. Wherever, I'm the steak. I'm the speak, wherever, anyway. C'est comment? Quoi de carotte est où? On n'est pas encore yom. On a dit yom, so. On a go so, je fais jalousie, that's so. On a go so, jalouse me, that's so. Bon, je vais mettre trois tomates. Je vais tout découper, hein, parce que... Yeah, me, I'm not the speak the English, the French. I'm the speak na English.
I'm the stick wherever, wherever. Wherever, wherever, Naina. Whatever, whatever, 99 cents. And the cookie and the acheter le vêtement de $1. Hein? Les filles de Mbeng là, vous savez quoi? Les pauvres filles de Mbeng qui n'ont rien là, vous savez quoi? Ne publiez plus vos sales maisons sur Facebook. Hein? Vous connaissez ce qu'on appelle la maison? Aux États-Unis, les gens ont les pioles. Ils ne parlent pas. Vous êtes là dans les trous à rats en Mbeng. Vous faites le bruit. Me, I'm no care. I'm the America. I'm no care. Les pauvres filles comme ça là. Ici aux États-Unis, les gens ont minimum 2 voitures. Donc, une personne a minimum 2 voitures. Et pas n'importe quoi. Les sauteurs de métro comme ça de Mbeng. Vous voulez parler à qui? Il y a une stétoise comme moi. I'm the steak. I'm no care. You wanna the yami, no? When I no get nothing, when I de come for Facebook, when I de publié, I get so so that thing. When I go to get nothing, vous n'avez rien. Les pauvres filles de Mbeng. When I de talk that so, when I no get nothing, vous n'avez rien. Vous les filles de Mbeng là. Ici les gens travaillent, ils ne connaissent pas. Les filles travaillent à la sueur de leur front. Vous travaillez à la sueur de vos fesses. Bande de profiteuses de l'État. Ici, là, aux États-Unis, les gens travaillent à la sueur de leur front. Mais de l'autre, Kaolo, ici, là, c'est le doctorat. Aux États-Unis, Kaolo, on a doctorat. On a dit Yami, non? C'est pas comme en Benka, avec les faux Kaolo, vous faites les tours au pays, là. Ici, aux États-Unis, tu n'as pas le Kaolo. Tu as tout ce que tu veux dans la vie. Mais le Kaolo, c'est le Kaolo. On a dit Yondaso, on a dit. Je suis sûr que quand vous me voyez monter, descendre, vous êtes jaloux. C'est moi qui vous ai dit de ne pas chercher les papiers. On a dit so na jalousie mi daso. N'importe quoi. Les fausses filles de Facebook. Les fausses filles de Facebook. Ne racontez plus que vous avez quelque chose. Ici aux États-Unis, les gens ont ri de parler pas. Les fausses filles de Facebook. Je savais depuis qu'aux États-Unis, les gens travaillaient. C'est pour ça qu'un jour, une fille qui vit aux États-Unis avait la grosse bouche comme l'anus du chien. Elle est venue faire la vidéo une fois pour me parler. J'ai fausse film bracata. On a dit fausse film bracata pour Facebook. On a non gagné notre ici aux États-Unis. Les gens ont. Les gens travaillent. Les voitures que vous voulez voir. Vous filmez vos fausses voitures. Venez bracata. Les fausses voitures que vous filmez là. Hey, arrêtez ça sur Facebook. Hein. Les chouans. Vous pensez que les gens qui ont même mettre sur Facebook. Les pauvres. Avoir le dentol. Vous buvez le dentol, vous mettez sur Facebook. Les pauvres comme ça là. Oh, connexion du Hamburg Midasso. Connexion du Hamburg Midasso. Agoso so tordasso. Wana no get nothing. Pour États-Unis, puis pour l'Europe. Les gens travaillent. Aux États-Unis, on appelle ça les gens travaillent, mon frère. Les gens travaillent nuit et jour. Pour s'en sortir. Vous êtes en Beng, vous profitez des allocations familiales. Ah, pardon, qu'on coupe tout ça, dis donc. Le père quoi? Les pauvres filles de Facebook, ne venez plus mettre que vous avez quelque chose. Et aux États-Unis, les gens ont minimum, une fille a minimum 2 voitures. Dans chaque maison, chaque personne a minimum 2 voitures. Les fausses filles de Mbeng, sauteurs de métro. Les sauteuses de métro. Les fausses filles, vous avez quoi? Venez voir. Vous vivez dans les trous à rats, vous parlez aux gens. Aux États-Unis, les gens vivent dans les buildings, les buildings. Tu entres ici, moi-même je me trompe quand je sors. Je demande toujours que... Mais Covid, l'autre jour, j'ai dit que la porte pour sortir est où? Je ne trouve pas la porte parce qu'il y a tellement de portes que. Tellement de portes que. Marco, tu entres, non? Là où tu es entré, c'est la sortie déjà de l'autre côté, tu ne connais pas. Fausse fille. Les fausses filles de Facebook, oh, vous n'avez rien là-bas en Beng, c'est les villageois. Tout ce que vous connaissez, c'est vous habiller. Au moins ça, vous connaissez en Beng. Parce qu'on n'avait rien à faire. Quand on n'a rien à faire, on se pomponne, on s'habille. Quand tu sais que tu vas aller travailler le matin, tu penses que tu peux avoir le temps de faire quoi? Bon, je vais mettre quoi? Il faut le manjanga. Le manjanga. C'est le manjanga qui fait le légume. Je mets le manjanga dans les légumes ici. Ouais, les gens l'ont oublié de descendre. Coucou, de descendre la poubelle. Ils ont oublié de descendre la poubelle. Les fausses filles de Mbeng aux États-Unis, les gens vivent dans les buildings. Les buildings. Pas les trous à rats, vous dormez dans les trous. Vous connaissez ce qu'on appelle appartement ici au state?
Maman, dans la vie, il faut voyager. Vraiment, quand tu voyages, tu ne peux pas trop parler. Mais il y a seulement une chose ici aux États-Unis. Les kaolo, hein. Ah, c'est le doctorat, oh. Le kaolo, tu sais quand tu es entré, mais tu ne sais pas le jour que tu vas sortir. Aux États-Unis, tu connais le jour que tu étais entré, mais tu ne sais pas quand tu vas sortir. Ce n'est que ça le problème. Mais sinon, hein, les gens ont... Tu entres dans une maison, tu confirmes que c'est meublé, maman. Tu confirmes, c'est dans, comme dans les films. Hey. Sans bouger d'ici, vous allez trop young même. Bon, je vais quand même écraser un peu d'ail, non? Écraser un peu d'ail, là. Écraser un peu d'ail, je mets... Hé, hey, mes fans sont en train de me parler. Hé, hey, mes fans, au state. Au le state, United of America. Non, ça dépend tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays qui dépend l'Amérique. Ne manque pas. Aux États-Unis, oh, le kaolo, c'est le doctorat, maman. C'est pas comme Ben. Ben est facile. Je ne vous manque pas comme Ben est facile. Oh. Ben est trop facile. Les États-Unis. Tu as même l'enfant, l'enfant a les papiers. L'enfant ne donne pas les papiers à la mère, maman. Ben, c'est l'enfant qui donne les kaolo. Aux États-Unis, c'est le hélélélé du Venez-Voir, les buildings. C'est les meubles que vous voulez voir dans une maison. Les fausses filles de Facebook, ne filmez plus vos trous arabes, vous mettez sur Facebook, eh. Vous tapez la boue tous les jours que vous avez l'argent. Vraiment, les parvenus. Les filles de Ben, c'est les fausses filles. Les filles qui se montrent sur Facebook, elles ont l'argent. Là, vous n'avez rien. Maman, quand tu vois d'abord une fille, une petite fille ici, là, tu vois dans quelle voiture elle roule. Toi-même, tu peux tomber sans glisser. Vous êtes là, j'ai ceci, j'ai ceci. Vous êtes entré dans la maison de quelqu'un. Vous connaissez ce qu'on a. Sur Facebook, là, vous, toutes les filles qui filmez le chevaux, là, hein, ça n'atteint rien sur les villas. Qui est ici aux États-Unis. Tu confirmes le code. Pardon, restez tranquille, dis donc. Les fausses filles comme ça, là. Je vais quand même écraser un peu d'ail, non? Pour le njap. Je mets un peu le piment. Non, je mets pas le piment parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens peut-être qui ne mangent pas le piment. Le céleri. Je mets un peu le céleri quand même. Les fausses filles de Facebook qui n'ont rien. Oh. Non, les États-Unis, c'est le plus grand pays du monde. Il n'y a pas deux. Hey! Maman Sarah, quand je vois les maisons, elle dit seulement que c'est pour deux personnes ou une. On dit que c'est la villa pour une seule personne. Maman, tu entres, tu te perds. Maman, tu peux avoir le visa même pour venir aux États-Unis. Tu arrives à l'aéroport, on dit que tu n'entres pas. On dit que tu n'entres, les policiers à l'aéroport qui décident si tu vas entrer ou pas. Ce n'est pas le visa qu'on t'a donné en Afrique. Aux États-Unis, hein, mes copines, ce n'est pas le lait. C'est le plus grand, le plus beau pays du monde. En tout, ben, c'est le village devant les États-Unis. Mes copines, tu marches en route, tu yom. Je vais mettre quand même le piment jaune sur ça. Le piment dans la sauce. Après, il sort. Mes copines, vous êtes là. Un grand homme d'affaires m'a donné l'argent pour faire le shopping. Un grand homme d'affaires. Ce n'est pas qu'il me drague ou quoi. Il m'a dit, la reine mère, tu es une reine mère, tu es une PDG. Voilà pour ton shopping. Un grand homme d'affaires ici aux États-Unis m'a compté comme ça, m'a donné. Sans me connaître, il me connaît que sur Facebook. Il a dit que tu es la reine mère, tu mérites. Il m'a donné les dos que fais ton shopping. Bon. Je mets encore quoi dans le légume si c'est tout, non? Bon, je vais parler maintenant à mes fans. Poser des questions, je vais vous répondre. Il faut que je mette un peu d'eau. Mes copines, la machine, le moyen, c'est en anglais. On fait comment? On appuie ou pour... comme c'est en anglais. Then they push for which play for the... Pour danser, waka. On met que comment, les co? Le moyen, j'appuie sur où? Sur quel numéro? Pardon, expliquez-moi. Oh.
ne connaît pas. Mes copines. Hey, hey. Maintenant, c'est où non? Off non? Les copines, excusez-moi, vous qui parlez anglais là, pour le Moinex, à put en for ouf, for off. Pour allumer le Moinex, j'appuie sur quoi, s'il vous plaît? Il y a trop les boutons sur ça. Il y a trop les boutons sur le Moinex, j'appuie où? Hein? C'est off non? Excusez-moi, mes copines, j'appuie où non? Que quoi? Pour prouver que ça fonctionne, j'appuie sur quoi? Le Moinex, il y a trop les boutons sur ça. Sur off. On. Ok, on. 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 Il n'y a pas on sur ça. On. Oh. Mes copines. Il n'y a pas on sur ça. Like. Il y a like. J'appuie sur like. Il y a light. Attendez. J'appuie où? Attendez. Ça fait tac, non? Eh, hey, ça ne fonctionne pas. Je fais comment? Ça ne marche pas, hein? Eh, hey, hey. Une villageoise aux États-Unis. Le Moinex là, je n'arrive pas à mettre, oh. Mes copines, oh. Il y a les boutons sur le Moinex là. Je fais comment? Attendez, je vous montre. Vous me dites, j'appuie sur quoi, non? S'il vous plaît. Sur on, non? Off. Hey, je vais faire comment? Je fais que comment, non? Ça ne prend pas, c'est pas comme Pumbé. Ah, ça ne donne pas, je fais comment? Lide. Mix. J'appuie sur quoi? Ça ne donne pas sur mix. Il y a trop les boutons sur le Moinex. J'appuie sur quoi? Hop. Ah. Ok. C'est cross. Connaissez pas, il ne faut pas faire comme si vous connaissez beaucoup. Moi-même, j'ai appuyé sur mixte. J'ai appuyé sur mixte. Vous-même, vous ne connaissez pas. Bon, restez là. Hein. Vous êtes 380 combien là? Maintenant, pour allumer la lumière, je fais comment mes copines le four? Pour allumer maintenant le gaz, j'appuie où mes co? J'appuie sur quoi pour allumer le gaz? Et maman, je vais faire comment? Quand tu ne connais pas, hein? J'appuie sur quoi pour le gaz, pour allumer le four, le feu. J'appuie sur quoi? Il y a les boutons. Je dis, hein, j'appuie où non pour allumer le gaz? Il y a au milieu non? Il y a un gros bouton au milieu. Après il y a les boutons à côté. Maintenant alors, je fais comment? Je dis, hein, sur le four là, il y a les boutons gros comme ça là. Comme tout ce qui est aux États-Unis est gros. Maintenant, au milieu, il y a encore un gros bouton, non? Maintenant, à côté là-bas, il y a les boutons. J'appuie sur quoi? Donc, j'appuie sur off. C'est on. J'appuie sur quoi, hein? On dit qu'on n'allume pas avec les allumettes. On a dit qu'on n'allume pas avec les allumettes. Que tu tournes seulement, ça s'allume. Je fais comment, les gens? Donc, attendez, je vous dis comment c'est écrit. C'est vous qui connaissez l'anglais, non? Donc, en bas, c'est écrit F. F. C'est écrit F. R-O-N-T. Ça veut dire que quoi en anglais? Hein? En anglais, F. R-O-N-T. Ça veut dire quoi? Et maintenant sur les boutons, non?
Maintenant, sur les boutons, non, il y a un truc H et I. Ça veut dire que quoi en anglais? H et I. Ça veut dire quoi? Après, maintenant, il y a aussi L et O. It. Maman, on a plus comment it, non? Hey, it. Oh, lol. L-O, ça veut dire lol. Que j'appuie comment? Devant. Que front. Ah oui, front. Ça veut dire que front. Maintenant alors, je tourne, non? Je tourne. Le bouton ne tourne pas. Je fais comment? Attendez, vous montrez. Vous me dites pas comment j'appuie, pardon. Voici les boutons de la gazinière, non? Les boutons. Attendez. Voilà les boutons la gazinière. J'appuie comme ça. Attendez, comme ça, non? Ça ne tourne pas. Ah oui, ça, c'est bon. Sur F et O, non? Hit. Ok, hit. Hit. Ok, from. Ah, ok, ça s'est allumé. B, R, O. Mes copines, B, R, O, N. C'est quoi? Non, ça s'est allumé. Merci, ça s'est allumé, c'est bon. Maintenant, je mets from. Donc, maintenant, il y a encore un an. Il faut bien monter doucement. Non, ça s'est allumé. Maintenant, alors, il y a encore un autre bouton là. Ça dit que H et I. Ça veut dire que quoi? Ouais, que. Oh. Vous pouvez, moi-même, je regarde mes vidéos là, je ris jusqu'à, je vous manque pas. Je vous dérange seulement. Et quand il dit qu'il ne connaît pas allumer là, je dérange. Bon. Maintenant là, je prends la viande. Je mesure la quantité de viande. Ok? On prépare ensemble, non? Hey, mes copines, l'autre jour j'avais chauffé l'huile, non? J'avais mis l'huile au feu, ça a chauffé, non? Après ça a commencé à tout. Il y a l'alarme qui a déclenché dans la maison. Mes copines, j'ai mis l'huile au feu, ça a trop chauffé, non? L'alarme a déclenché. Ça a fait. Maman, j'ai dit que le bruit là c'était un bruit que. Je suis sortie, je suis encore entrée. J'ai dit que je vais faire comment. J'ai brûlé. Ouais. It. Donc, après, je mets front, je mets 5. Maintenant, le njap. J'ai envie que ça dégive bien. Le njap. Parce que le njap là, il faut que ça dégive bien, non. On peut pas ensemble, hein. Bon, je ne mets pas beaucoup l'huile, non, mes copines. Comme je fais le régime, la reine met le régime. Et je mets le cube Maggi. Je mets combien de cubes? Ouais, ok. Vous me faites rire là-bas sur Facebook. Après, je mets la viande, non. Je mets la viande, non, mes copines. Attendez, vous montrez la quantité de viande que je mets. Aux États-Unis, maman, il y a la viande jusqu'à. C'est ici là qu'on élève ça. Pardon. Hé, ne croyez pas que je suis une villageoise, que c'est la première fois que je viens aux États-Unis. Mon grand frère, il est un grand professeur à l'université à Los Angeles, UCLA. Vous avez entendu, non? Voilà, la viande est là. Maintenant, je vais faire le missolet. Je vais faire avec le plantain mûr. Ou bien je laisse. Je vais préparer. Je vais aller au salon de coiffure donner à ma soeur. Celle qui a le salon, non? À Kenne Production. Je vais aller lui donner à manger au salon de coiffure parce qu'elle est partie travailler.
Maman, il ne faut pas que l'huile chauffe trop, sinon ça va déclencher la larme. Les copines, j'aime pas beaucoup l'huile, comme je fais le régime. Ici, aux États-Unis, il est 10h. Bientôt 10h du matin. Bon. Ma viande est là. Mon légume, j'ai découpé. Ma viande est là. Bon. Il fallait que je mette un peu... Bon, vous dites quoi? Quelqu'un dit quoi, là? Lol. Régime grossissant. Américain, régime mémé est grave. Jean Cancan. Il est bientôt, quelle heure là-bas? 18h. Après, c'est sûr, encore invité. Maman, je suis fatiguée. Là, cette manière là, on m'a tellement tiré que j'ai mal au bras. Flo, la reine, mais maman, mes bras me font mal ici comme ça. Là, tellement on m'a tiraillé. Bon. Le cuitimbang, en tchang, on appelle ça le cube. Le cube. Donc, je vais mettre combien de cubes? Le cube, il ne faut pas trop mettre le sel dans la nourriture. Parce que le sel, c'est pas bon pour la santé. Donc, je mets le cube. Je mets le cube. Attendez, ça va faire joie. Vous ne partez pas travailler. Vous restez seulement là, n'est-ce pas? Sur Facebook. Après, vous avez dit que Fleur de Lille aime Facebook. Vous n'aimez pas, vous faites quoi là? Hein? Marie Larose. Hé, hey, la DG. La PDG, c'était toi. Tu es bien rentrée. Tu es bien rentrée, non? Tu me manques déjà beaucoup, hein? Ah, you de manquer me. Je vais t'envoyer le parfum anti-jalousie. Hein? Vous êtes au boulot. Si mon patron vous chasse au travail, je ne suis pas responsable. Ah non, be responsable, il n'y a pas de put one for upside for si casser, on a dit look Facebook. Si vos patrons vous chassent, ah non, t'es for inside, il ne faut pas dire Fleur de Lille, la forme à chasser du travail. Un homme d'affaires ici aux États-Unis m'a donné l'argent que prends, fais-toi le shopping. Il ne me connaît pas que sur Facebook. Il m'a dit, tu mérites, tu fais la fierté des filles, bams, la fierté des Camerounaises. Que ne te dérange pas, ce qu'on t'insulte sur Facebook là, c'est rien. Nous, on connaît la vérité, c'est la jalousie. Il a dit ça clair, il a sorti comme ça. Le dollar, que va faire le shopping? Tu es même venu le temps que c'est chaud. Eh oui. Ce n'est pas que la personne m'a dragué ou bien que quoi, non. La personne m'a donné. Eh, le président, oh, mon président. Mon président. Bonjour, président Amot. Le coup, on vous attend ici à Houston, hein, pour la soirée de l'amour. Bon, quand vous faites le légume chez vous, vous mettez quoi et quoi? Moi, j'ai mis... Je ne complique pas, hein, parce que j'ai pas envie qu'il y ait les condiments. Normalement, le légume, on n'écrase pas les condiments. Parce que je vais cuire un peu la viande là avec. Jusqu'à ça sèche. Et puis, je verse mon jap maintenant. Après, je vais faire avec le plantain mûr. J'ai sommeillé. Je vous assure, c'est la journée que j'ai sommeillé. Je ne sais pas. Ou bien c'est le décalage horaire. Maintenant, là, j'ai sommeillé. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Il est 10h. J'ai sommeillé. J'ai envie d'aller me coucher. Je ne vous mens pas. Mais on m'attend là, il y a les gens, il y a les hommes d'affaires qui arrivent me récupérer là. On va aller manger la chèvre quelque part. Pardon. Pardon. Arrêtez la jalousie entre les camés. Ce n'est pas bien. Garde donc pour la cagnotte de Jessie Ezeka. Oui, pour la cagnotte, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas tout mettre dans la cagnotte. Moi aussi, j'ai besoin de m'acheter les trucs. Je ne vais pas venir ici, là, ma petite fille choupie, la choupinette. Choupi m'a envoyé les chaussures là, qu'il veut, les photos des chaussures qu'il veut qu'il prenne à sa fille. Vous connaissez, non? Les Choupi qui finit mes dos. Pour lui-même, il m'a envoyé encore ce qu'il faut comme les baskets. Donc, je vais acheter d'abord pour mon fils. Je vais acheter pour ma petite fille parce que c'est les deux trésors de ma vie. Je préfère marcher nu. Mais j'habille ma petite fille et mon fils. Ben oui. C'est comme ça, pour moi, je ne me dérange pas. Tant que mon fils est satisfait. Bon, dès que ça fait joie, lui chauffe, je mets joie. Bonjour, mon président.
J'ai un sommeil, oh. Il est 10h du matin, sommeil. La nuit, je suis debout, je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir. Oui. Maman, aux États-Unis, les gens travaillent. Quand je vois les filles aux États-Unis qui font les vidéos, là, je demande. Je demande. Ici, les gens travaillent, n'ont pas le temps même de perdre une seconde, même pour... Ici, là, le Congo, ça se passe qu'au téléphone. Parce que comme le téléphone, ils ne peuvent pas trop se voir pour de, autour des bières. Les gens ne s'asseyent pas pour boire les bières. C'est pour ça qu'ils font leur Congo, ça qu'au téléphone. Repose-toi, ma personne. Making money, rendez-vous le 19 en Turquie. J'ai déjà pris... on m'a déjà envoyé mon billet d'avion. Pardon, il ne faut pas que lui chauffe trop. Parce que si lui chauffe trop, ça va déclencher l'alarme ici, là. Je vais commencer encore à trembler, pardon. Parce que quand ça sonne, tous les voisins, ça alerte tout le monde. Les États-Unis, le summum des summums. Vous avez entendu? Je comprends pourquoi. Eh, mbeng si, mbeng, vraiment, mbeng trompe les gens. Eh. Quand vous êtes mbeng, vous croyez que vous arrivez, vous n'êtes pas arrivé. Les gens qui sont arrivés sont les gens qui vivent aux États-Unis, mais ils ne parlent pas. Aux États-Unis. Eh. Aux États-Unis. Eh. Je ne vous manque pas que. Quand tu entres chez quelqu'un, hein? Tu te perds, même si c'est l'appartement. Ce n'est pas l'umbrakata de Mbeng. Mais, le problème c'est que tu entres aux États-Unis. Tu connais le jour que tu es entré, tu ne connais pas le jour que tu vas sortir. C'est ça le problème. Le kaolo, c'est le doctorat. Ici aux États-Unis, le papier, c'est le doctorat. Donc, les gens qui, en Mbeng là, ceux qui sont en Mbeng, vous avez la facilité de chercher vos papiers. Vous avez trop d'avantages. Pardon, cherchez vos papiers, s'il vous plaît. Parce qu'il y a les pays qui vous donnent l'opportunité, comme en Europe, d'avoir les papiers facilement. Aux États-Unis, ce n'est pas possible. Ici, là, les gens ont tout. Tout. Mais, il y a un problème, les papiers. Même tu as les enfants, ça ne te donne pas le droit aux papiers. Donc, hein, pardon. Sachez qu'en Bengue, vous avez beaucoup de chance. Ici, tu es malade, on ne te soigne pas gratuit. Tu payes. En Bengue, c'est un jour, non? Attendez, je mets d'abord l'oignon. I want to put onions for pot. Then I put... Oh mince, je vais fermer l'oignon, non, oui. Je mets d'abord l'oignon comme ça. J'ai un peu... Je mets l'oignon, hein. J'ai mis un peu fort. On dirait que c'est pas trop fort. Après, je cuis la tomate. Après, je cuis jusqu'à ça sèche. Maintenant, je mets mon onja. Aïe, ça chauffe. Aïe, je me suis brûlée. Je me suis brûlée. Votre reine m'est brûlée. Pardon, soufflez. Mettez le souffle sur ma main. Vous travaillez pour moi, non? La jalousie ne paye pas. Hein. Battez-vous pour vous en sortir au lieu de faire la jalousie. Ça ne paye pas. Les jaloux finissent toujours derniers dans la vie. Mais le feu des Américains là, attendez, le feu des Américains là, ça fait que comme ça, ça chauffe après, ça s'éteint avant de réchauffer encore. Je demande seulement. Plaisir m'a dit que ne fais pas les Mbengis t'envahissent aux États-Unis. Ils vont entrer comment, président? Est-ce qu'on bosse pour entrer aux États-Unis? Il n'y a pas la route. Ils vont faire que comment? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils vont passer par le Mexique et traverser la barrière. Les gens qui sont aux États-Unis sont les gens qui sont venus étudier, arrivés, ils ont calé. D'autres, la green card. Ce qu'on veut dire que quelqu'un a les papiers aux États-Unis, si on dit quelqu'un qui a eu les papiers, c'est que la personne est venue, a gagné la green card étant au pays. Même étant ici, on joue à la green card, hein. Ne pensez pas qu'on joue la green card seulement quand on est à l'étranger. Même les Français jouent à la green card. C'est la loterie américaine.
N'hésitez jamais à aller jouer cette loterie-là. Quand vous gagnez cette loterie-là, l'Amérique récupère toutes vos familles. La green card. Ça, c'est sur Internet. C'est chaque année. Il ne faut jamais hésiter. Même quand tu es dans le territoire américain, tu peux jouer la green card. Même les Français jouent à ça. Ici, aux États-Unis, même les Français sont sans papier. Vous avez entendu? Avoir une nationalité française, ça ne te donne droit à rien. Sauf venir comme ça, tourner comme moi là. Et repartir. Donc, ça ne te donne rien. Aux États-Unis, tu veux rester. Même si tu es européen, tu cherches les kaolo comme un Africain qui vient d'arriver. Bon, je mets les cubes, non? Pour bouillir la viande de la vie. L'Amérique, hein? Maman Sarah. Il n'y a pas le tcha-tcha ici, hein? Aux États-Unis, il n'y a pas le tcha. Parce que l'adresse. Oh, il y a. Il n'y a pas le tcha-tcha ici, là. Quand on dit le tcha, non. Tu vois les papiers de quelqu'un, tu mets qu'à la poubelle, tu veux l'on faire avec. Mais le feu, s'il fait quoi comme ça? Je mets fort hein, le feu là parce que j'ai quand l'impression que ça chauffe pas trop. Donc tu vois, non, c'est pas le correct aussi. Maman, quand tu n'es pas chez toi là, hein, quand tu n'es pas chez toi, hein, mes copines, tu cherches tout. Comme il y a la cuisine alors, hein, maman, il y a les. C'est maman Sarah. La cuisine américaine, non. C'est même pas le bracata, maman. Je vais chercher maintenant que comment. Maintenant là, ça c'est quel correct ici là. Non, ce n'est pas ça. Ah, il faut chercher non les copines. Ou bien c'est qu'elle essaye un peu savoir. Maman, je ne connais même pas. Ah. Bon. Je lave le Moinex. Le petit tour aussi. Quand tu finis mes copines, quand tu viens d'écraser les condiments, tu fais ça. Tu fais comme ça, tu remets. Maintenant, ta viande va bien cuire. Quand tu finis, les sales filles là, quand vous finissez de cuisiner, il faut laver le moinex directement. Ne mettez pas ça dans. On ne cotise pas les assiettes. Quand vous finissez de laver, vous finissez de faire, vous lavez, vous rangez. Mmh. Les sales filles comme ça là. Vous venez parler à une PDG comme moi. Ah. Vous venez tout vous parler. Oh, j'ai oublié de mettre le poireau. Mince. Je vais découper juste un peu le poireau. Hein. J'avais oublié. Je mets seulement un peu comme ça le poireau. Vous parlez que quoi? Que quoi? Que quoi? Ah, on a faute. Bonjour Carole, c'est comment nous, ma soeur d'amour? Donc les gens m'appellent sur inbox là, arrêtez de m'appeler. Quand je suis en direct, ne m'appelez plus. Vous attendez quand il finit. C'est pas comment m'appeler. Vous avez dit qu'aux États-Unis, tu connais quand tu entres, tu ne sais jamais quand tu vas sortir. Il y a plein de gens ici là qui ont perdu tous les membres de leur famille. Ils pleurent dans leur coin parce qu'ils n'ont pas le choix. Quand tu vas vouloir sortir, on te laisse sortir. Le jour que tu entres, tu fais comment? Tu ne vas plus jamais entrer. Donc, il faut comprendre, ceux qui sont en Afrique, là, sachez que, hein, qu'aux États-Unis, c'est un pays où, hein, quand on n'a pas les papiers, on ne sort pas. C'est comme la prison, le coffre-fort. Tu es là, tu as tout, mais tu ne peux pas bouger. Les États-Unis, c'est ça. Tu as tout, mais tu ne peux pas sortir. Je vais aller me faire les ongles tout à l'heure. Ceux qui sont trop forts dans le Nyanga, non. Aux États-Unis, maman, tu as la voiture. Tu peux avoir autant de grosses voitures que tu veux, maman. Mais tu ne peux pas comment tu payes. Parce qu'il y a un problème. Kaolo, tu vas faire comment? Donc, digérer seulement là-bas au pays. C'est en décembre qu'on connaît qui a les papiers, qui n'a pas. En décembre, quand tout le monde part au pays là. Voilà la période que, même en Bengue, on sait qui a les papiers, qui n'a pas. Parce qu'il y a plein là, vous tournez avec la doublure. Vous tournez avec la doublure, mais c'est qu'en Europe, vous ne pouvez pas sortir avec. Avant, les gens partaient en Afrique même avec la doublure, non? Même aujourd'hui là, tu ne peux plus, on ne peut plus go en Afrique avec la doublure, ça ne passe plus. Ne vous manque pas. Allez dire que Flo là, elle parle, je m'en fous de vous me donner à manger. Je mange chez vous. Hein? Si vous parlez que vous me détestez, ça me fait quoi? Vous m'apportez quoi dans ma vie? Mon frère,
J'ai mes papiers. J'ai mes papiers en Bengue. Je peux tourner comme je veux. J'attends quoi de qui? Donc laissez-moi ça. Vous me détestez, ça fait quoi? Fleur de lila parle trop. 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 Les choses comme si on lui a demandé quelque chose. Je parle. Venez fermer ma bouche. Vous allez faire quoi? Bande de jaloux. Quand vous venez en Bengue, vous ne cherchez pas vos papiers. Après, quand vous voyez les gens qui ont leurs papiers qui montent, ils descendent, vous faites la jalousie. Vous commencez à appeler au pays pour les saboter, qu'ils font que le. Ils vendent que la drogue, c'est les prostituées, c'est les ceci. Tout ça, la jalousie, parce que vous n'avez pas de papier pour aussi voyager au pays. Vous faites la jalousie sur ceux qui peuvent partir. Pourquoi? Mon frère. Même si quelqu'un vend son piment, c'est vous qui vendez le piment là. Mon frère, si quelqu'un est fait mal, c'est vous qui vous. Vous croyez que quand on dit fait mal là, c'est facile. Il faut parler, hein. Il faut savoir dialoguer pour prendre l'argent au blanc. Il faut parler, dis donc. Vous croyez que c'est facile? Il faut avoir la tête. Parce qu'on porte l'argent dans quelqu'un n'importe comment. Mais si je ne parle pas des faits-man de, qui fait les 200 euros au filet, les faux faits-man là, les faux gars, les jongleurs qui mentent, qui sont les hommes d'affaires, alors qu'ils escroquent les filles. Ils passent leur temps à escroquer les filles. Ils disent qu'ils sont hommes d'affaires. Alors qu'ils ne sont rien, dis donc. Foutez le camp. Allez, à qui? Parce que quoi? Vous me détestez, ça fait quoi? Le champagne me donne quoi, mon frère? Ça veut boire même une tonne de champagne, je bois. Champagne, c'est quoi? Les sales filles, là, quand on cuisine, on lave en même temps. Hein? Les sales filles de Facebook. Quand on prépare, on lave les trucs en même temps. On fait le ménage en même temps pendant qu'on cuisine. Bande d'imbéciles. Vous allez vous asseoir derrière Facebook, parler à Fleur de Lille que vous me valez en quoi? Hein? Bande de fausses filles. Vous êtes venu en Bengue pour travailler, donner aux hommes qui mangent. C'est pas mon problème. Mon frère, je suis pas responsable de votre misère. Vous allez vous asseoir et parler de moi parce que vous êtes lâche. En face, vous ne pouvez pas. J'ai vu une autre poufiasse là qui m'avait insulté. Quand elle m'a vu entrer, elle est sortie. Même elle a confirmé que ce n'est plus Facebook. Hein. La réalité est différente de Facebook. Tous les détracteurs, ceux qui étaient derrière moi, chacun a déposé les armes. Ils ont déposé seuls. Vous avez entendu? Moi, on ne m'impressionne pas. Ou bien les amis bracata, les amis bracata, ça m'apporte quoi? Les faux amis là, ça me donne quoi? Les faux amis de quoi là? Des noyaux là. Vous m'apportez quoi? Hein? Les faux amis à deux balles là. Vous m'apportez même quoi dans ma vie? Hein? Les faux amis là. Les amis hypocrites. N'importe quoi. Vous me faites rire. Restez en Bengue, vous tournez dans les bars, vous buvez, vous parlez des gens, au lieu de chercher vos papiers. Le temps ne fait que passer. Le temps passé, on ne peut jamais la rattraper. Le temps que vous perdez pour aller parler des gens dans les... Que vous perdez pour aller parler des gens là, vous pouvez prendre ça pour chercher vos papiers. Hein? Même si tu as l'argent en Bengue, les milliards, que ce soit en Bengue ou bien aux États-Unis, si tu n'as pas de papier, tu n'es rien. S'il y a un truc dans la famille que tu ne peux pas mettre les pieds, c'est, tu n'es rien. Parlez mon nom au quartier. Parlez mon nom au lieu de chercher vos papiers. Parlez mon nom. Hein. Il n'y a aucun papier qui n'est pas sacrifice. Tous les papiers en Bengue, c'est le sacrifice. Chaque kaolo que tu t'assois pour chercher, tu sacrifies quelque chose. Donc ne croyez pas que vous allez vous assurer. Le kaolo, ça ne tombe pas du ciel. On supporte. Le kaolo on a supporté d'asso, on a d'endososo on a supporté, on a go talk my name, ego do me weti. Quand vous allez parler de moi, ça me fait quoi? Hein? Vous m'apportez quoi? Quand vous parlez de moi là, vous croyez que ça me fait rien parce que vous m'apportez rien, je n'attends rien de personne. Le bon Dieu m'a béni, j'ai eu mes papiers en Bengue, donc elle peut entrer sortir dans n'importe quel pays du monde comme je veux. Et c'est une fierté.
passe à soi et boit les seaux de champagne, nourrit les hommes alors qu'on est sans papier, dis donc. Moi, foutez le camp. Maman, elle veut boire l'eau alors que je n'aime pas trop boire l'eau. Je vais faire comment? J'ai le choix. Aïe, un peu c'est glacé. Je n'aime pas. Moi, je ne bois pas l'eau glacée. Yes, I did speak English fine. I just say my people defend the paper because les sans-papiers qui se regroupent souvent dans les restaurants, ils prennent les formules. Ils tapent la bouche, ils parlent fort. Ils appellent au pays, ils font le Congo ça. C'est les Mbengis qui appellent souvent au pays pour parler aux gens au quartier, pour faire le Congo ça sur les gens. Alors que leur ville dépasse en Mbeng, mais ils appellent pour commencer à raconter que tu sais ce que telle personne fait en Mbeng. Telle personne en Mbeng fait que telle chose. Mon frère, allez faire aussi, non? Vous partez au pays. Voilà d'exemple, la période qu'on sait qui a les kaolo, qui n'a pas. Arrêtez de dire que vous avez trop à faire, vous n'avez pas le temps, que vous avez les papiers pour partir. Mouf! Moi, j'insulte ceux qui sont là depuis, qui n'ont pas cherché les papiers. Moi, je ne parle pas de ceux qui viennent d'arriver. Une personne qui a fait 3, 4 ans, 5 ans en Beng, qui n'a pas tous les papiers, j'excuse. Mais une personne qui a 10 ans en Beng, qui n'a pas de papiers, je l'emmerde. Moi, je les insulte propre. Quand vous parlez, vous dites que telle semaine de meilleur que l'asile politique. Allez demander aussi l'asile politique ou non. Vous croyez que c'est facile? Vous faites quoi en Beng? Ceux qui sont au pays là, vous faites quoi en Beng? Vous faites quoi en Beng? Le président de la République lui-même est où? Ses enfants sont où? Ils ne sont pas en Beng. Nous, on rentre pourquoi? Vous parlez, c'est la jalousie. Aïe, l'eau là me donne les nausées. Quand il boit l'eau glacée, putain, je fais comment? Mais je, si j'avais la bière. Aïe, ça me donne les nausées, je vous jure. Quand je bois l'eau glacée, ça me tourne le cœur. Il y a... Oh, putain. Pardon, j'arrive. Ouais, pardon, excusez-moi, quand je bois l'eau, ça me tourne. Moi, je bois pas l'eau en fait. Surtout l'eau glacée. Moi, je bois pas l'eau glacée. Quand je bois l'eau, ça me donne les nausées. Ah putain. Non, je suis pas enceinte. C'est parce que j'ai bu l'eau. Comme je ne bois pas souvent l'eau, surtout l'eau glacée, ça me donne les nausées. Il n'y a pas la boîte, il n'y a pas l'alcool. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, c'est en bas, dans la voiture, quand je bois l'eau, ça me donne ma bras, ta mamite, non la mamite elle est en train de bien, ça mijote là, la grossesse qui m'a enceinte, maman c'est Facebook qui m'a mise enceinte, mon mari c'est Facebook, j'ai qui? Maman, est-ce que j'ai le gars? Mon gars, c'est Facebook. Donc, Facebook m'a mis enceinte. Elle est sérieuse. Oh, colo. J'ai comme l'impression que j'ai mis beaucoup d'eau. Ouf. Hé, hey, pourquoi il y a l'eau sur ça comme ça, Seigneur? Il faut que ça chauffe bien. Et fait comme ça. Tout est bon. Attendez. La reine même. Tu as un cordon bleu, tu connais préparé. Tu n'as coucou. À 20h, n'oubliez pas. Une benguiste va parler. Elle va verser les vérités sur Facebook. Elle s'appelle Rosie Mimi CCC. À 20h. Elle va dire la vérité. Le Borsel, c'est déjà... Eh, hey, ma soeur, c'est comment? Il y a ma soeur qui est connectée là. C'est avec la poitrine là que tu déranges les gens. Yes, oh, master, oh. La cagnotte, c'est quel niveau? Toi-même, tu as mis comment?
Combien? Non, la cagnotte avance. Ah, la cagnotte, les Camerounais, ils ont tellement fait le Congo ça sur la cagnotte là que moi je fais la cagnotte seulement pour escroquer les gens. Eh Seigneur, pourquoi les Camerounais sont mauvais comme ça? Donc si j'ai décidé de faire la cagnotte pour aider, c'est pour escroquer les gens, mes soeurs. Hein? Sérieux? Je vais escroquer les gens par rapport à quoi? Eh Seigneur, les Camerounais avec la jalousie. Parce que j'ai demandé qu'on fait la cagnotte. C'est la cagnotte là qui a conçu ma maison. C'est ça qui m'a payé le billet d'avion. Pourquoi vous aimez le Congo ça comme ça? Eh. vraiment les esclaves de Facebook. Vous dites que j'aime Facebook, mais quand je ne suis pas là, vous vous ennuyez. Je mens. Quand vous ne me voyez pas, c'est le matin ici, là, il est peut-être 11h déjà. Il est 11h du matin ici, là. Envoyez la cagnotte et n'oubliez pas. Mettez pour vous dans la cagnotte. Même si ça donne combien, ce qu'il y a dans la cagnotte, je vais aller au pays, je vais donner ça là-bas. Ouais, Seigneur, quand je me rappelle de certaines filles des États-Unis qui m'insultaient encore sur Facebook, moi j'ai pris leur photo pour mettre dans la vente du pépé. Quand vous me regardez, regardez la poitrine que j'ai. Regardez les fesses que j'ai. Si je veux mettre les photos dans les sites de pépé, j'ai besoin de prendre les photos de quelqu'un. Hein? Parce que votre soeur des États-Unis m'avait accusé qu'on a dit que les filles de France, n'importe quoi. Vous avez vu ma poitrine? Regardez. 100% naturel, regardez. Le fonds de commerce du Waka, c'est ça. Et les fesses. Vous avez entendu? Pour aller dire que on a dit que c'est Flo qui a volé les photos pour mettre sur un site. Mais attendez, vous m'avez bien regardé même. J'ai besoin de ça, de prendre les photos de quelqu'un. Wherever, wherever, anyway. I'm no care. Where, anyway. C'est pas grave. Comme les gens pensent que les États-Unis c'est le bout du monde là. Moi je suis là. Et je vais aller à Los Angeles en Californie. Il faut dire à Nathalie Kowa que j'arrive. Je vais venir saluer l'enfant et masser son ventre. Que j'ai dit ça, moi Fleur de Lys. Moi la reine mère. Que je vais venir saluer la Beverly. Que j'ai dit ça. Si je m'en tapais ma main. Il y a un grand homme d'affaires qui m'a invité à Washington. Je m'en vais à Washington. Je vais vous annoncer ça le soir. Je vais à Washington. Je serai à Washington. Normalement, je rentrerai jeudi. Mais je ne peux pas rentrer parce que je suis invitée à Washington. Je suis invitée à Los Angeles aussi. Donc, je vais devoir... J'ai tontine quand? Ben non, mon camp, j'ai la tontine. Il faut que tu envoies mon agent de tontine. Pardon. Il ne faut pas qu'on m'insulte là-bas que je passe et moi aux États-Unis. Je ne cotise pas. Pardon. Envoie mon agent de tontine là-bas. Tu le connais, non? 930€. Pardon. Donc, je vais aller à Washington. Un grand homme d'affaires m'a invité à Washington DC. Je vais aller à New Bell. Parce que Washington DC, on m'a toujours dit que c'est chez New Bell avec les commandos et les Bepanda. Les Nganda qui y a là-bas, c'est les Bepanda. Les Omusport. DC, c'est comme ça. Donc, la PDG arrive. Tous ceux qui m'insultent souvent sur Facebook là, venez me voir en direct. Le respect, c'est whatever, whatever, whatever. Anyway, anyway, I'm not the... Moi, la nuit, Fleur de Lys, le jour. Moi, le jour, Fleur de Lys, la nuit. Faut venir me voir en vrai. Merde. Les gens aux États-Unis, vous achetez les choses à 99 cents. 99 centimes. Avec l'autre qu'on achète un, on a deux gratuits. Les couleurs. N'importe quoi. Vous avez vu la sape, non? Je n'ai pas encore fini de montrer. N'importe quoi. Je connais mon corps. Vous m'insultez que Fleur de Lys est grosse. Vous qui êtes mince là, vous connaissez vous habiller. On a dit put clot. Hein? You were when I wagon, on a dit mince. On a dit put clot. On a dit put can na clot. Vous habillez très mal. Vous les stand bracata de Facebook là. Hein, quand on connaît son corps, on connaît ce qui... Moi, quand je prends un habit, j'entre dans un magasin d'abord, je n'achète pas n'importe quoi. Vous pouvez demander à mes amis qui m'accompagnent. Quand j'entre, je ne prends pas de... Quand je prends, ça tombe sur moi, sur mesure, parce que je connais. Vous êtes là, vous avez l'argent, même vous habillez, vous dépasse.
N'importe quoi. Allez, mon fou. On va prendre le parfum anti-jalousie, j'apporte. Voici le parfum anti-jalousie que je mets. Anti-jalousie, anti-méchanceté. Parfum anti-jalousie, anti-méchanceté que je mets. Je mets ça. J'empêche l'esprit de ceux qui détruisent les autres avec ce parfum au nom de Jésus-Christ. From today, je mets ce parfum anti-jalousie. Que tous ceux qui regardent ce direct, qui sont en train de m'insulter, que leur bouche se ferme et leurs yeux se ferment à jamais. Alléluia. Alléluia. Hé, hey, la marmite se brûle. Attendez. Et il y a une fille aux États-Unis qui m'avait insultée. Pour rien. Je ne l'avais rien fait. Elle est claire comme ça. Elle fait semblant comme si elle était une Ivoirienne alors que c'est une Camerounaise. Je l'avais donné dernier avertissement. Elle avait vu les choses de Mbeng. Elle s'est mêlée. Pour vous la dire que les filles de Mbeng, machin là, avec sa grosse bouche là. Une vraie fille qui vit aux États-Unis n'a pas le temps de faire les vidéos, dis donc. Parce qu'elle m'avait insultée. Que je ne connais pas. Elle fait semblant comme si elle était ivoirienne là. Je l'ai elle dit que tu prononces encore mon nom. Un jour, tu vas confirmer le code. Elle a déposé mon nom doucement. Chaque personne qui regarde cette vidéo, ce direct, vous êtes 472 personnes en train de regarder ce direct. Chaque personne qui regarde ce direct, qui parle de moi, que le seul parfum anti-jalousie, anti-méchanceté, ferme ses yeux à jamais. Je mets même dans mes fesses. Que ce parfum anti-jalousie, anti-méchanceté, chaque personne qui regarde, qui me regarde, qui regarde, qui dit que Fleur de lit, gnon, Fleur de lit, que ses yeux se ferment à jamais et ses oreilles se ferment à jamais, qu'ils n'entendent plus rien. Alléluia. Alléluia. Que chaque Camerounais qui regarde ce direct, qui n'a jamais pu faire ses papiers depuis 30 ans, qui parle mon nom, qui parle mon nom, qui parle mon nom, Seigneur Jésus, que ce parfum anti-jalousie, anti-méchanceté ferme ses yeux à jamais. Alléluia. Pardon, il faut que ça grille un peu là. Que chaque personne qui arrive en Beng, chaque vieux Bengis qui regarde un nouveau Bengis qui se cherche, un enfant qui se cherche, qui est derrière dans la maison avec sa grosse femme blanche en train de chercher ses papiers, tous ceux qui découragent les nouveaux Bengis, que ce parfum anti-jalousie, anti-découragement. Toi, ma soeur, toi, mon frère, derrière Facebook, que tu es arrivé en Europe depuis 1900, ouais, que tu n'as jamais été au pays en Afrique, que tu n'as jamais pu même envoyer une bouteille d'huile d'arachide à tes parents là-bas au quartier, ni à tes amis, ni un bonbon aux enfants au quartier. Si tu commences à parler de la reine mère de Fleur de Lille, pour dire que Fleur de Lille a fait qu'elle est toujours sur Facebook, que ce parfum anti-jalousie, bloque ton téléphone, l'ICA mobile ou le barat que tu utilises pour appeler en Afrique. Que ce téléphone tombe et se cache à jamais. Alléluia. Alléluia. Que quoi? Que tous ces bandits, ces Camerounais qui viennent salir l'image du Cameroun. Maman Bernard, il faut que tu me donnes encore le parfum anti-jalousie parce que ça l'a fini là. Ouais, je veux boire quoi? Quand il fait comme ça, regardez, je n'ai même rien bu. Que chaque personne qui regarde ce direct, qui passe les coups de fil pour dire que Fleur de Lille en direct, va regarder ce que la folle de Lille fait. Que ton téléphone tombe et se casse à jamais. Alléluia. Que chaque personne qui parle de moi en bien soit bénie. Chaque personne qui parle de moi, Seigneur Jésus, soit bénie. Que le Seigneur, le Saint-Esprit descend sur toi et te bénisse à jamais. Toi qui parles du bien de moi partout.
toi qui me défends sur Facebook, toi qui achètes mes problèmes de Fleur de Lille, toi qui me défends quand tu entres quelque part qu'on parle de moi et que tu me défends sans me connaître, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi qui entres dans un restaurant, tu t'assois, tu écoutes comment on parle de Fleur de Lille, tu fais comme si tu ne me connaissais pas alors que tu me salues pour te protéger parce que tu n'as pas envie de t'insulter. Que le Seigneur continue à te protéger. Alléluia. 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 Toi qui tournes derrière mon dos pour faire des choses qui ne se font pas, que le Seigneur t'empêche de continuer à faire sur mon dos. Alléluia. Alléluia. Toi que je vois là-bas derrière, tu es en train de me défendre. Reçois. 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 Reçois ce parfum anti-jalousie. Reçois. Je te bénis. Je te bénis. Dis amen. Je te bénis. Toi qui me défends nuit et jour sur Facebook. Toi qui travailles pour moi. Toi qui me défends. Tu dis que non, Fleur de Lys, c'est une fille gentille. Elle n'est pas comme ce que vous voyez sur Facebook. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui parles de moi en bien, devant moi et derrière, tu me sabotes. Le Seigneur, Dieu voit tout. Dieu voit tout. Toi qui rigoles avec moi et tournes derrière mon dos pour faire l'ombrakata. Je ne te vois pas, mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Toi qui es au bureau ce midi. Il est quelle heure en France même? Maman, si ma nourriture brûle maintenant, vous allez confirmer le code. Toi qui veux me détruire, toi qui tournes pour me détruire, toi qui vois dès que je suis ami avec quelqu'un, tu passes à être ami avec la personne, inbox, partout. Fais ton amitié. Dieu voit tout. Toi qui contactes mes amis sur Facebook, qui contacte mes amis sur Facebook, qui cherche à me détruire avec eux, que le Seigneur te détruise à jamais. Amen. 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 Toi qui me regardes et me bénis tous les jours, je vois comment tu me regardes mes seins. Je vois comment tu regardes ma poitrine. Je vois comment tu regardes tout ce qu'il y a sur mon corps. Je vois, je te vois, je te vois, je te vois et Dieu voit tout. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Toi qui cherches les papiers, qui me regardes, qui rêve. Qui dit, oh, j'aimerais être comme cette fille de Fleur de Lille. J'aimerais être comme ce Fleur de Lille. Reçois ce parfum. Reçois que ce parfum te bénisse, te bénisse, te bénisse. Et t'ouvre les portes dans ta vie. Toi qui me regardes de bon cœur. Qui pense du bien de moi que le Seigneur te donne. Toi qui me regardes et fais la jalousie. Hein. Que le Seigneur fait, tu cognes ton pied, tu tombes, tu casses même tes dents. Je perds quoi? Voilà, bon. Je vais quai le njap. Quai le njap chez nous, c'est quai. Et sauver le légume. C'est ça qu'on me dit quai. Tu quai, non? Ça, c'est le njap. Ouais. Normalement, je devais. Je lave encore. Parce que vous savez que les choses des blancs, il faut toujours laver. C'est même pas que les sales filles de Facebook, vous prenez le légume, vous mettez dans la marmite, vous ne lavez pas. Vous ne lavez pas. Comme vous avez acheté congelé, c'est comme ça que vous mettez dans la marmite, déjà toujours congelé. Quand le mari rentre, il dit qu'il ne mange pas. Ou bien il dit qu'il n'a pas faim. Si ton mari dit qu'il n'a pas faim, c'est parce que tu ne connais pas préparer ma copine. Tu comprends? Quand le mari dit qu'il n'a pas faim, c'est parce qu'il sait que tu ne sais pas cuisiner ma co. Hey, c'est quoi ça? Putain de merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oh. Mes copines, quand un homme dit qu'il n'a pas faim, c'est parce que tu ne sais pas préparer, Marco. Tu prépares avec la saleté. C'est pour ça que le gars dit qu'il n'a pas faim. Parce qu'il sait lui-même que tu prépares avec la saleté, Ndoti. Quand on achète au magasin, on lave encore. C'est pas que tu mets dans la marmite comme ça, tu prépares. Tu crois que l'enfant de Dieu va venir manger ça? Hein, les sales filles de Facebook. Hein? Vous allez rester travailler pour moi.
La personne qui est fatiguée se déconnecte. Je vous ai appelé d'abord. Vous qui êtes en train de dire dans vos cœurs que oui, être dur trop sur le direct, je vous ai d'abord appelé. Ma connexion est gratuite. La personne qui a sommeil, pas dormir. Ici, là, c'est le matin. Vous avez entendu? Maman, j'ai sommeillé. Hey. Les gens qui viennent me chercher, je suis invitée aujourd'hui, ce soir. C'est le Njapen. Je fais ça avec le misolet, le plantain. C'est ça le fil de Facebook. Vous êtes en train de me regarder sur Facebook comme ça. Vous avez déjà préparé, non? Quand tu finis de faire ça, tu laves directement les assiettes, ma copine. C'est pas que tu laisses là, tchac, tchac, non. Tu tchac ton mari pas. Quand une fille tchac, ton nom ne peut pas rester, ma co. Ici, en Bengo, on ne cotise pas les assiettes. Quand tu fais, tu laves. Tu fais, tu laves, tu fais, tu laves. C'est comme ça. Maman, la mamie là, c'est en train de brûler ou pas. J'arrive, je mets le tchac dans la mamie. La personne qui est fatiguée se déconnecte. Je ne vous ai pas d'abord appelé. Je vous vois comment vous avez dit que Flore Denis est due trop au direct. Je dis d'abord, je vous ai appelé même. Hein? Je vous ai d'abord appelé. Continuez à dire qu'elle est due trop sur le direct. Comme si je vous avais d'abord même appelé. De Lila, elle aime trop Facebook. Vous n'aimez pas. Vous êtes combien là en train de me regarder? 400 et poussière de personnes. Vous cherchez quoi? Il faut me dire merci, la reine mère. Parce que je vous apprends que la vie, ce que tu vois là, il faut être humble dans la vie. Vous avez entendu, non? Je vous apprends que la vie, elle est comme ça. Vous qui venez, vous aimez jouer au. Quoi, je ne sais là. Fermer un peu, mais le légume, il y a plus de viande quand même. Il y a beaucoup de viande. Voilà. Donc, comme j'ai mis le légume, je vais couvrir 5 minutes et puis j'arrête parce que il faut pas que ça soit trop. Il faut pas que ça soit trop mou, moins genre. Donc, je vais couvrir 5 minutes. J'ai baissé le feu. J'ai mis à 5. Merci, vous m'avez appris à allumer le feu aux États-Unis. Je ne connaissais pas. Grâce à vous. Je connais maintenant allumer. Merci beaucoup. Quand tu finis, ma copine, tu laves tout. Tu laves, tu ne laisses pas tchap. Les sales filles là. Les sales filles de Facebook. C'est vous qui venez parler à la reine, mais vous m'insultez au quartier. Alors que vous êtes sales comme les porcs. On entre chez vous, la saleté que vous voulez voir. Qui m'appelle? Vous êtes sale jusqu'à. Vous êtes sale comme les porcs. Plus sale que le porc du champ. Vous venez parler à la reine, mais une vraie femme, c'est celle qui nettoie chez elle. Même si tu es belle, comment que tu es sale? Tu crois qu'un homme va rester avec toi? Il va venir, il va tout partir, ma copine. Si je vais mettre ces cubes là dans la boîte, ma soeur, je mets tes cubes dans la boîte. C'est mieux de mettre les cubes toujours dans les boîtes. Il faut mettre les cubes dans les boîtes. C'est bien quand les cubes sont dans les boîtes. Tu mets le cube dans la boîte. D'accord, ma soeur chérie, d'amour. Donc, quand moi aussi, c'est dans, tu mets dans une boîte tous les condiments là. On met ça dans les boîtes.
pour avoir une bonne conservation. Ça, c'est la boîte de quoi? Tous les canouas là, tout ça là. Tu mets ça dans la boîte. Les canouas comme ça là, tout ça là. Tu mets dans une boîte, ma soeur. Comme ça, quand tu fais, tu vois déjà que la boîte là, c'est le canouas. La boîte là, c'est ça, c'est le canouas aussi, oui. Tu sais que ça, c'est ta boîte pour le canouas. Mmh. Voilà. Tu fermes comme ça. Mmh. Tu mets dans le l'armoire comme ça, dans ton armoire des condiments. Voilà. Voilà, ma soeur chérie. Tu sais que tu as ton canouas, tu as ton tout. Ça, c'est le condiment aussi. Ça aussi, c'est le condiment. Tu mets ça dans l'armoire. Comme ça, chaque boîte, tu sais ce qu'il y a dedans, non? Quand tu récupères la boîte, ça, c'est encore le canouas, non? Tous les condiments, là, dans les boîtes. Tu vois, comme ça, ma soeur. Vous parlez quoi là? Que Claude lit du trop sur le direct. Je vous ai appelé même. Vous cherchez même d'abord quoi là? Personne qui est fatigué pas. Pas dormi. C'est le canwa. Le sel de gemme. Voilà. L'ail au frigo. Tout ça, je range. D'accord, ma soeur chérie d'amour. Vous n'avez rien à faire. Vous parlez que quoi là? Flore. Flore, c'est pas la boîte, c'est un couvert quoi. Et puis ça fait quoi? C'est toujours la boîte, non, ma soeur? Vous aimez entendre vous parler trop le français. Pardon, parlons avec quoi? Le couvert quoi? C'est la boîte. Moi, j'appelle ça la boîte. Maintenant, si tu as compris que c'est le coupé quoi en français, c'est bien, non? Et ma soeur, toi qui dis que c'est le coupé machin là. Allez d'abord faire le ménage chez vous avant de venir me parler. Parce que quand vous parlez comme ça, vous êtes trop sale. Mais vous venez faire comme si vous étiez propre. C'est sur mon mur Facebook, vous venez montrer la propriété. Allez d'abord nettoyer et ranger vos chambres, dis donc. Allez d'abord retirer les habits là qui sont entassés sur le pont là avant de venir me parler. Je vous connais. Moi-même j'entasse. Parce que ce n'est pas facile. Hein. Moi-même j'entasse. Je dis tout ce que je vais faire. Je vais faire. Après ça remplit. Les légumes là, je crois qu'il faut que j'arrête, non? Les épinards, ça ne dure pas trop, les légumes. Ça dure trop, ce n'est pas bon. Ça ne donne pas. Excusez-moi, pour arrêter le feu, on appuie sur quoi? Pour arrêter le feu, j'appuie sur quoi? Hein? Hein, les gens? J'appuie sur quoi? Sur quel bouton? Pour arrêter? Sur tac? Sur off, non? Off. En anglais, ça veut dire off, ça veut dire que arrêter, non? Hein? Vous qui êtes à l'école là? C'est vous qui êtes à l'école. Bon, maintenant je vais frire le missolet. Maintenant je ne connais pas trop comment je fais. Je vais frire ça. Je vais aller au salon de coiffure de ma soeur. Vous allez voir. Kane Production. Elle est au salon de coiffure. Je vais aller à son salon. Vous allez voir son salon de coiffure. Et oui, oui, dans la vie, quand quelqu'un se bat, il faut encourager ceux qui cherchent à s'en sortir. Vous ne dormez pas, hein? Poids de carotte va comment? Poids de carotte, elle va bien. Arrache-clou va bien. Il faut me saluer, arrache-clou, pardon. Avec poids de carotte, il faut dire que le niveau a évolué. Que ça a évolué. Pas les histoires de Mbrakata qui font là. Et plutôt. Comment ça, le poids de carotte? C'est quoi la bille qu'il porte là? La bille trou-trou là. C'est Modato, non?
Pois de carotte, Modatoa. Eh hey, Seigneur, les filles qui achètent les habits de soirée chez Modatoa, ils viennent parler à la reine, mais ma batterie est faible. Au revoir. Hein. Je vous laisse. Allez sur le mur de Rosie, Mémie, elle est en train de parler en direct là. Hein? Elle est en train de dire les vérités. Bon, je vous laisse. Bisous. Je vais nettoyer par terre et puis je vais aller me préparer. Je vais sortir. Je vous aime très fort. Merci d'avoir suivi ce direct. Il est 11h ici. J'ai déjà fini de cuisiner. Une femme, c'est ça. À midi, tout doit être prêt. Donc, je fais le misolé. C'est bon. Donc, je vous embrasse. Bisous, bisous. Bye bye. Mouah.